Je connais Christophe Rousset depuis longtemps. On a travaillé une première fois tant qu'il était encore sous la baguette de William Christie. On s'était connus donc, autour d'une production des Indes Galantes au Festival d'Aix-en-Provence. 2005, en tout cas, c'est vrai que c'est la première fois où on a travaillé ensemble. Pour moi, c'était la première fois aussi que je mettais en scène en entier, je dirais, enfin un opéra entier, un opéra avec toutes les lettres dedans, avec l'orchestre et le chanteur. J'ai souvent, toujours, quasi travaillé avec de la musique dans mes spectacles au théâtre. J'avais travaillé plutôt avec la musique contemporaine, mais je ne m'étais jamais affronté à un opéra historique, donc c'est Salieri. C'était magnifique de pouvoir rentrer dans ce travail précieux que fait Christophe avec le talent lyrique, qu'est ce retour à une époque, ce retour à une façon de faire, ces découvertes aussi d'œuvres qui ne sont passées complètement à côté des grandes œuvres, quelque part, bien que ce sont des grandes œuvres aussi. Il y avait une cohérence dans ce travail, dans la façon dont il a été pensé, conçu, dans sa fabrication, qui pour moi était idéal. Enfin, c'était vraiment idéal de rentrer dans le monde de l'opéra par cette porte-là. La première surprise, c'est Christophe qui m'a donc encore Christophe Rousset qui m'a proposé de faire ce cosy ensemble. La première chose qui vous vient à l'esprit, c'est combien de cosy il y a eu. Il y a énormément, et c'est le côté, je dirais, le plus difficile dans la mise en scène d'opéra, puisque l'opéra, c'est quand même le monde de la référence. Pour Salieri, il y avait un champ absolument vierge, puisqu'il n'y avait pas de référence, du moins je parle que de mise en scène. Du coup, Cosi, c'est l'inverse. C'est vraiment l'inverse, c'est de se dire comment on reprend cette œuvre, comment la raconter, qu'est-ce que faire avec. Pour moi, c'était tout de suite l'idée de la représentation. C'est-à-dire que avec cette fable amoureuse, c'est une histoire avant tout une histoire de désir, une histoire de comment le désir fonctionne, principalement. Mais le mode opérateur de cette question du désir sera la représentation, c'est-à-dire que les amants vont se faire passer par d'autres. Et c'est parce qu'on est quelqu'un d'autre qu'on révèle quelque chose du désir qui n'était pas là. Donc, la représentation elle-même, ça met en question vraiment le pouvoir de la représentation. Comment on peut avancer des propos se faisant passer par quelqu'un d'autre, ce que ça véhicule comme force. Donc, du coup, en plus, il y a cette suite de travestissements qui va de plus en plus, enfin, un peu avec des équivoques, des imbroglios, jusqu'à la fin enfin, qui va en augmentant. Donc, j'ai voulu avant tout parler de ça, parler du désir avant tout, et ensuite de mettre en scène la machinerie théâtrale à vue, c'est-à-dire parler de la coulisse, parler du fait que, puisque l'histoire, on la connaît quelque part, donc du coup, c'est l'avantage de la référence. La référence peut être un handicap terrible parce qu'on se dit, bon, tout le monde le sait, et au contraire, si on se dit, bah, puisque tout le monde le sait, alors pourquoi ne pas du coup prendre ça comme une vraie force? L'œuvre et la force de la musique de Mozart est évidemment universelle et enfin, elle traverse. La force de la musique traverse jusqu'à aujourd'hui des émotions. Je pense, en revanche, que socialement, la femme a beaucoup bougé depuis, et heureusement. Donc, du coup, j'essaye, voilà, de me dire comment on peut faire résonner un peu, tout en gardant l'œuvre où elle est, tout en parlant du 18e, puisqu'on y est, enfin, on y était, on y sera le temps de la représentation, de se dire qu'on pouvait articuler cette question-là, c'est-à-dire de voir deux actrices.
de chanteuses d'aujourd'hui se glisser dans le corset de filles. Alors, je vais regarder la caméra pour dire bon anniversaire au talent lyrique.